Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette première journée de Division 1. Le résumé, Marseille-Sochaux au Stade Vélodrome, le premier match, le grand retour de Marseille en Division 1. La composition de l'OM s'affiche à l'écran avec Lévy, Bradley, Flack, Lopez, Francini, Badé, Debono, Zanon, Lubio, Cunningham et Zénier dans un 4-4-2. Tandis que du côté de Sochaux, dans leur 4-3-3 habituel avec Rust, Ruti, Sosé, Delossi, Posca, Lobin, Lucas, Felny, Kroos, Alger, Black et Paille en pointe. La première période n'a pas été sensationnel. L'action la plus dangereuse, ce centre dévié par la défense, aucune frappe de toute cette première période. Il va falloir faire mieux pour les deux équipes pour espérer prendre les 3 points. Marseille-Sochaux à la mi-temps, c'est fade. Comme on venait de le dire, on espère que ça va mieux se passer. Et la deuxième période qui reprend avec la 50e minute de jeu et la première frappe du match, c'est Zénier sur une magnifique passe de Cunningham qui va dégainer. La frappe passe malheureusement à côté des cages de Rust. Mais on revoit la grosse frappe de Zénier. Rust était, je pense, battu. Toujours 0-0 à la 50e minute de jeu. 75e minute de jeu. Zénier vient ouvrir le score pour les Marseillais. Enfin un but dans ce match. Et c'est Zénier, toujours lui, qui vient ouvrir le score. Avec une magnifique passe décisive de Cunningham. On la revoit, cette passe décisive magnifique. Il a bien croisé son appel. Et il vient battre Rust qui ne pouvait rien faire sur cette action. La petite frappe à terre, qui fait du bien aux Marseillais. 85e minute de jeu, nouvelle action pour les joueurs marseillais avec Badé sur le côté qui va essayer de centrer. Et Zénier vient mettre la tête et le deuxième but marseillais. Marseille va s'imposer sur ce match, le but à zéro. Même s'ils n'ont pas produit un grand jeu, ils assurent au moins les 3 points. Le Stade Vélodrome est en ébullition. Marseille est en train de réussir son retour en première division. Zénier qui vient nous mettre une très belle tête. Il prend pour l'instant le leadership au niveau du classement des buteurs avec 2 buts. Donc voilà, Marseille s'impose 2-0 face à Sochaux. Un Sochaux qui a eu beaucoup de mal sur ce match, tandis que Marseille a été à réaction. Marseille réussit son retour en première division. Nantes contre Toulon, deux équipes qui espèrent aller dans le top 6 à la Beaujoire. La composition de Nantes tout de suite sur votre écran avec Domène, Adokor, Bossis, Ayash, Bibar, Maurice, Amis, Bartolomei, Ramos, Alizodzic et Touré dans un 4-1-2-1-2. Du côté de Toulon, c'est Olmeta, Kazoni, Berenguer, Courbis, Alphano, Dib, Ricor, Nkuka, Telemansi, Albert Raymond et Onis en pointe. C'est un match qui promet, Nantes contre Toulon. Et 31e minute de jeu. Et la première action est toulonnaise avec la reprise de Ricor qui passe à côté. Toulon, même s'ils n'ont pas frappé, domine hein, ce début de match. Et cette action le prouve bien avec la reprise de Ricor qui malheureusement pour eux passe à côté. 35e minute de jeu. Et Onis va servir Clemency pour ouvrir le score. Toulon qui surprend tout le monde, car même s'ils sont favoris pour le top 6, beaucoup de gens mettaient Nantes vainqueur, et pour l'instant ils sont en train de déjouer les pronostics, les Toulonnais. La frappe, et c'est dedans. 1-0 pour Toulon. Nantes qui n'y arrive pas du tout dans ce match, et la belle action, et Clemency qui vient bien terminer juste avant la mi-temps. La dernière action, la tête, non, c'est dévié par la défense. Courbis qui va donner à Onis. Onis qui va centrer la tête de Clemency, mais ça passe à côté. La mi-temps est sifflée sur cette action. Toulon qui fait le taf, Nantes qui n'y arrive pas.
mi-temps 1-0 pour Toulon, cette deuxième période qui promet avec dès la 52e minute de jeu Ali Dzodzik qui est venu défier Pascal Olmeta, mais le gardien toulonnais a remporté son duel grâce à ce magnifique centre et la tête d'Ali Dzodzik. Le gardien Pascal Olmeta est très très bien sorti. Toulon à ce moment-là mène toujours un but à 0. 68e minute de jeu. La touche pour les Toulonnais avec Marcel Dib qui va jouer avec Ricord, Onis et la frappe surpuissante et le deuxième but toulonnais, le but de Onis. Ça fait 2 buts à 0. Avec cette frappe surpuissante, les Toulonnais mènent 2 buts à 0. Le poteau rentrant, le gardien nantais ne pouvait rien faire encore une fois sur cette action. Mais cette frappe est magnifique. Pour l'instant, Toulon mène 2 buts à 0. 85e minute de jeu, l'une des dernières actions de ce match avec Dib qui va frapper et ça passe à côté malheureusement. Dib auteur d'un très très bon match face à Nantes et on voit cette action. Dib qui prend son temps et nous sort une belle frappe. Malheureusement ce n'est pas dedans, mais Toulon va s'imposer 2 buts à 0 à la Beaujoire. Nantes n'y arrive pas du tout sur ce début de saison. On espère mieux de la part de cette équipe dès la deuxième journée. Le troisième match de cette première journée de division 1 est entre le Paris Saint-Germain et l'AS Nancy-Lorraine au Parc des Princes. Deux équipes qui vont jouer le milieu de tableau cette saison. La composition du PSG avec Baratelli, Janol, Batney, Guillauchon, Janvion, Le Moult, Fernandez, Souzic, Tokorosto et Niederbecher en pointe. Du côté de Nancy, Martini, Cartier, Haribar, Casini, Abreu, Martin, Picot, Philippe, Umi Pérez, Jacques et Zaoui. La première action de ce match est à la 16e minute de jeu avec la frappe de Picot arrêtée par Baratelli. Nancy qui débute très 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 bien son match. Nancy qui veut la victoire ce soir au Parc des Princes. Un Parc des Princes en ébullition qui espère beaucoup de ses joueurs cette saison, même si l'objectif est de jouer le milieu de tableau. Souzic qui va tirer un coup franc, qui va donner une belle action pour le Paris Saint-Germain. C'est bien tiré par Souzic, dévié par le mur, mais ça faille quand même rentrer. Belle action pour le Paris Saint-Germain qui se relance dans le match après avoir été dominé en début de match par Nancy. 37e minute de jeu, nouvelle action pour les Nancéens avec Umi Pérez sur le côté. Et la frappe de Jacques qui passe au-dessus. Malheureusement, la frappe de Jacques, ça passe au-dessus des cages de Baratelli. Nancy essaye de faire ce qu'ils peuvent pour mener. Mais malheureusement, le but est bien gardé par Baratelli. Et la dernière action de cette première période, la tête de Niederbecher dans les bras de Martini, c'était bien tenté et la mi-temps est sifflé. Une première période assez équilibrée, même si Nancy a quelque peu dominé. 0 à 0 à la mi-temps entre le PSG et l'AS Nancy-Lorraine. Sur cette deuxième période, sur ce début de deuxième période, les Nancéens dominent avec cette tête qui passe à côté des cages de Balatelli. Avec une perte de balle. De la faute à cette relance plein axe des Parisiens. Cette tête qui aurait pu faire plus mal aux joueurs du Parc des Princes. Et 86e minute de jeu, la tête déviée par le gardien. Et Rocheteau avec un cafouillage vient ouvrir le score pour les Parisiens. Le Paris Saint-Germain mène un but à 0 à la 86e minute de jeu et va s'imposer dans ce match. Dominique Rocheteau qui vient marquer le but sauveur pour les Parisiens. Et on revoit l'action, ce centre dévié par le gardien et avec du cafouillage, Rocheteau met son genou et trompe le gardien nancéen. Paris va s'imposer un but à 0. Nancy, on ne peut pas dire qu'ils ont été en dessous des Parisiens, ils les ont dominés par moments. C'était un match plutôt équilibré, mais les Parisiens ont su marquer quand il le fallait. Victoire du Paris Saint-Germain, un but à 0 au Parc des Princes face à Nancy.
Le quatrième match de cette première journée au Stade Saint-Symphorien oppose le FC Metz au Racing Club Paris. La composition du FC Metz tout de suite à votre écran avec Ettore, Lovitz, Kroor, Sonor, Baradia, Colombo, Zapia, Kurbos, Brasigliano, Insberger et Bokanda en pointe dans un 4-2-3-1. Du côté du Racing Club Paris dans un 4-1-2-1-2, Baz, Vunca, Mahutini, Honorine, Van Mabrouk, Piet, Landre, Madje, Ekeke et Auckland sont le 11 de départ. La première action est parisienne avec Landre qui va jouer avec Honorine, le centre d'Honorine, dévié la frappe d'Ekeke. Et c'est contré, ça sort en corner pour les joueurs parisiens. Ils dominent complètement ce début de match, les joueurs parisiens, faut pas se le cacher. Ils vont essayer de faire quelque chose de bien aujourd'hui, les parisiens. Essayer de faire comme leurs compères du Paris Saint-Germain. Et ils vont essayer de s'imposer. Le corner tiré par Rabah Madjer. La tête de Ben Mabrouk et c'est stoppé par un défenseur sur sa ligne qui vient sauver le FC Metz, excusez-moi. Le défenseur de Metz vient sauver les siens sur la ligne. Et la première action messine à la 18e minute de jeu. Insberger. Mais malheureusement pour lui, ça passe à côté, sa frappe était belle. Mais ça ne rentre pas, ça fait toujours 0-0 entre ces deux équipes. La 27e minute de jeu. La frappe d'Insberger contrée. Kurbos qui centre. Ça ne donne encore rien. Zapia à lui qui va donner. Brasigliano qui va frapper. Ouvrir le score pour le FC Metz. Metz qui, à part la frappe d'Insberger, n'avait rien fait de cette première période. Vient ouvrir le score, 1-0, grâce à l'intermédiaire de Vincent Brasigliano. Ça fait 1-0 pour le FC Metz. C'est un énorme coup sur la tête pour les Parisiens. On se demande comment ils vont faire les joueurs du RC Paris. Car Metz n'a rien fait, mais les joueurs du RC Paris n'arrivent pas à marquer dans ce match. Et on revoit l'action, un centre non dégagé par la défense qui permet à Brasigliano de déclencher sa frappe. Et malheureusement, le gardien du RC Paris ne pouvait rien faire. Brasigliano Chiro qui marque le premier but de Metz cette saison. 37e minute de jeu, soit 10 minutes après l'ouverture du score messine. Nouvelle action pour le RC Paris. Et Keke vient égaliser. Un but partout entre Metz et le RC Paris. Et Keke qui est content de marquer le premier but du RC Paris. Le RC Paris revient à la hauteur de Metz 10 minutes après s'être fait ouvrir le score. Le gardien ne pouvait malheureusement rien faire sur cette reprise. Et Keke qui fait le taf parfait à la mi-temps, ça fait toujours un partout entre Metz et le RC Paris. On espère qu'en deuxième période, il y aura un vainqueur. Le centre de Piet dès la 48e, mais la tête d'Ekeke qui passe à côté. Il n'y a que Ekeke dans ce match. Du côté du RC Paris, il fait tout, le jeune Ekeke. 56e minute, nouvelle action pour le RC Paris. Nouvelle frappe d'Ekeke, dévié par le gardien. Double arrêt du gardien messin. Les Parisiens sont maudits dans ce match. Et attention, la dernière action, la dernière frappe de Metz dans le match. Et c'était Brasigliano qui a failli mettre le plus beau but de cette journée. Malheureusement, ça passe à côté. Le score va rester un partout. Les deux équipes vont rentrer chez eux avec un point. Le RC Paris et le FC Metz se quittent sur un partout au Stade Saint-Symphorien dans un match qui était quand même, somme doute, agréable à regarder. Le cinquième match est une belle affiche au stade de la Baie des Champs entre l'AG Auxerre et le Racing Club de Strasbourg. La composition d'Auxerre sur votre écran avec Bats, Boli, Janas, Charles, Barret, Fiardre,
Perido, Fiard, Danio, Charmac, Ferry et Patrice Garande. Du côté du RC Strasbourg, nous avons Hotman, Knab, Vogel, Huck, Glenner, Van Starmelen, Nielsen, Souto, Kelch, Pekou et Solaire. La première action du match est auxerroise, 9 minutes de jeu et Zarmach va ouvrir le score pour les auxerrois. C'est pour l'instant le but le plus rapide de cette première journée. Zarmach qui vient marquer et faire mener la Auxerre 1 but à 0. Strasbourg qui est pris de court. Strasbourg qui n'a pas compris ce qui s'est passé sur ce début de match et sur cette action. La magnifique passe et Zarmach a ajusté le gardien strasbourgeois. 1 but à 0 pour Auxerre, le but de Zarmach. Et actuellement, les joueurs auxerrois font le coup parfait. 1 but à 0 pour Auxerre face à Strasbourg. 19e minute de jeu, nouvelle action en faveur d'Auxerre. La frappe, mais malheureusement, c'est dévié par un défenseur. Ça passe au-dessus. Mais qu'est-ce que ça avait été bien joué par les Auxerrois encore une fois. Auxerre domine totalement son sujet dans ce match. Ça va donner un corner pour les Auxerrois. Bien tiré, la tête au-dessus encore une fois. Sur les trois dernières occasions auxerroises, deux sont parties au-dessus. 28e minute de jeu. La louche, Zarmach peut finir. Mais quel arrêt du gardien strasbourgeois! Il maintient son équipe en vie. Et à la mi-temps, Auxerre mène 1 but à 0 face à Strasbourg. L'abbé Deschamps exulte. 58e minute de jeu. Encore et toujours une action auxerroise. Patrice Garande pour barrer le centre et la tête de Zarmach. Et le deuxième but sans doublé pour lui. 2 à 0 pour Auxerre, le but de Zarmach. Et pour l'instant, Auxerre domine son sujet. On ne voit pas Strasbourg dans ce match. 2 à 0, le but de Zarmach. Et quelle passe, quelle action. Patrice Garande qui a très très bien joué le coup. Le centre de barre et la tête de Zarmach. Les joueurs strasbourgeois ne peuvent rien faire. Ils sont complètement dominés. Ils se font manger. Les joueurs strasbourgeois, Zarmach marque son doublé et le match va se terminer là-dessus. Victoire 2 buts à 0 d'Auxerre face à Strasbourg, le stade de l'Abbé Deschamps qui exulte ses joueurs. Le sixième match au Parc Lescure, le derby de la Garonne, Bordeaux contre Toulouse. On va voir la composition de Bordeaux, l'un des ultra favoris pour cette saison avec Dropsis, Pech, Baptiston, Touvenel, Tussaud, Chalana, Gérès, Girard, Tigana, Lacombe et Muller. Du côté de Toulouse, Bergerot, Lopez, Tarantini, Marx, Domergue, Lacombe, Christophe, Rousset, Abega, Fetrage et Stopira. La première action du match à la 8e minute de jeu. Et Toulousaine avec Abega sur le côté qui va centrer la tête de Stopira. Et l'ouverture du score qui est compté comme un contre son camp. Bordeaux qui se prennent un énorme coup sur la tête dès le début de ce derby de la Garonne. Bordeaux, l'un des ultra favoris au titre, n'y arrive pas face à Strasbourg. 10 minutes de jeu, 1 but à 0, c'est compté comme un contre son camp. Mais le but pourrait largement être compté pour Stopira avec tête et Toulouse mène 1 but à 0. 32e minute de jeu, la perte de balle de Jean Tigana. Quand on vous dit que rien ne va à Bordeaux, la frappe de Stopira qui passe à côté. Toujours 1 but à 0 pour Toulouse, excusez-moi, face à Bordeaux. Et on revoit l'action, la frappe. Et ça passe à côté. Le temps additionnel a été largement dépassé. Mais un dernier corner de Lacombe. La frappe de Xavier Domergue, stoppé par le gardien. Un nouveau corner qui cette fois ne drainera rien. Mais sur cette première période, Toulouse a largement dominé son sujet. 1-0 pour Toulouse à la mi-temps. Le Parc Lescure abasourdi.
de la prestation de ses joueurs sur cette première période. 49e minute de jeu. Laurent Rousset qui sent la tête de Stopira sur la barre. Et Fetrage vient mettre le deuxième but. Toulouse mène 2 buts à 0 dans ce match. Le but de Ferratage. Et Laurent Rousset a clairement fait le taf sur son centre. C'est magnifiquement bien joué. 2 buts à 0 pour Toulouse face à Bordeaux. Le Parc Lescure qui est encore une fois abasourdi. Le Parc Lescure qui a installé une climatisation. Car Toulouse domine le match. Ils vont avoir un sursaut d'orgueil, les joueurs bordelais, mais ça ne donnera rien. Cette frappe de Giresse magnifique qui passe à côté. Bordeaux, pour l'instant, perd ce match. Et Bordeaux va sans doute perdre ce match. 60e minute de jeu. Quel arrêt du gardien! Quel arrêt de Ropsy qui a sauvé les siens, même si on pourrait dire que son contre son camp est une bourde. Il a sauvé les siens sur cette action. 73e minute de jeu. Encore une action pour les Toulousains. Stopira pour Ferratage qui va frapper. Ça va passer à côté des cages bordelaises. Toulouse mène toujours 2 buts à 0. Bordeaux, un ultra favori pour le titre, n'est pas là du tout sur ce début de match, enfin sur ce match en général. 2 à 0 pour Toulouse. 89e minute, dernière grosse action de ce match. Le coup franc de Ferratage et ça passe au-dessus des cages de Dropsy. Bordeaux va perdre ce match 2 buts à 0. Tandis que Toulouse exulte. Le Parc Lescure qui offre une bronca à ses joueurs. Victoire de Toulouse dans le derby de la Garonne, 2 buts à 0. 7e match, le Racing Club de Lens affronte le Football Club Rouen au stade Félix Bollard. Une affiche portée sur le haut de la France. On va voir la composition du Racing Club de Lens tout de suite avec Huard, Sénac, Lilo, Marseille, Delplanche, Krasvig, Zaremba, Xareb, Xureb, pardon, Verquiz, Brisson et Ramos en pointe. Du côté du FC Rouen, Bensoussan, Amance, Buisine, Malbo, Alberto, Monti et Olmé, Bertelsen, Redon, Dido et Bel Tramini. Et la première frappe est à seul de cette première période, c'est Verquiz. Une frappe qui passe loin des cages de Bensoussan. Tout est parti d'une perte de balle débile des Rouennais près de leur surface. Verquiz qui frappe, ça passe à côté. Il ne se passera rien d'autre de toute cette première période. Le RC Lens et le FC Rouen qui font 0-0 à la mi-temps. On espère mieux sur cette deuxième période. Et les supporters rouennais vont dire qu'ils ont vu mieux avec cette frappe de Redon et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Rouen, le but de Redon. Un but à 0 dans ce match complètement fermé. Ça sera le seul but de ce match car ça sera la seule frappe de toute cette deuxième période. Rouen va s'imposer 1 but à 0 grâce à un but de Redon dans un match fade et sans goût. Ce n'a pas été un match agréable à regarder. En tout cas, Rouen s'impose face à Lens dans cette affiche très portée sur le haut de la France. 1 but à 0 pour Rouen face à Lens au Stade Félix Bollard. 8e match, le SEC Bastia affronte l'AS Monaco à Furiani. L'AS Monaco, l'un des grands favoris pour le titre cette saison. On a la composition de Bastia tout de suite avec Milia Senik, Orient Denis, Marchoni, Nativi, Servetti, Mozan, Ilis, Sozona, Pastelli, Meyer, Ezimako en attaque. Du côté de Monaco, c'est Ettori, Simon, Leroux, Amoros, Puel, Bijota, Bravo, Djendjini, Stojkovic, Bellone et Andiani en pointe. La première action du match est Bastiaise avec ce coup franc qui passe juste au-dessus des cages monégasque. Toujours 0 à 0. Mais Sébastien qui domine bien le début de ce match. Zimako pour Servetti à la 34e minute de jeu. Le centre de la tête. Mais ça passe encore une fois au-dessus. Sébastien qui domine ce match. Tous les gros noms du championnat n'arrivent pas sur cette première journée. Nantes est tombé, Bordeaux est tombé. Et Monaco n'arrive pas
face à Bastia sur cette première journée, 0-0 à la mi-temps. Cette deuxième période, il va avoir juste une seule action. Elle va être monégasque avec Puel, avec Bravo, excusez-moi, qui va défier le gardien. Ça ne donnera rien. Bastia Monaco qui font un nul. 0-0 à Furiani. Tous les gros n'y arrivent pas sur cette première journée. L'avant-dernier match, Tours contre Laval au stade de la Vallée du Cher. Deux équipes qui vont lutter pour le maintien. On va voir tout de suite la composition de Tours avec Derosso, Furlan, Loiseau, Zoun, Lestage, Dieket, Vareadi, Polinkov, Vercruis, Da Fonseca et Crimo. Du côté de Laval, Godard, Perard, Beson, Sorin, Miton, Zanko, De La Montagne, Goudet, Pedrucci, Defalco et Séné. Et attention à l'action. La première action de ce match, elle est pour Tours. La tête et ça passe à côté. 12e minute de jeu, nouvelle occasion, c'est Da Fonseca. Encore une fois pour Tours. Et ça passe encore une fois à côté. Deux énormes actions de suite pour Tours. Deux fois où ça passe à côté. Les supporters de Tours y croient sur cette première journée. Vareadi qui va tirer ce coup franc. Ça passe à côté. Des cages. Tours domine cette première période. Mais malheureusement, ça ne rentre pas. 0-0 entre ces deux équipes. Et attention, Crimo, 38e minute de jeu. Encore une fois, Tours qui n'y arrive pas devant les buts. Je n'espère pas que ça continue toute la saison pour eux. Sinon, ça va être très dur de se maintenir du côté de Tours. Des occasions qu'il faut mettre. Il ne les rentre pas. Mi-temps, 0-0 entre ces deux équipes. Tours et Laval. Laval a été transparent toute cette première période, tandis que Tours a dominé. 61e minute de jeu. Coup, corner. La tête qui passe à côté. Encore une action qui ne donne pas but. Toujours 0-0 entre ces deux équipes. 64e minute de jeu. Première action pour les Lavallois. La frappe de Séné. L'ouverture du score. Ils se font punir. Les joueurs de Tours. Ils avaient dominé tout le match. Et ils se font ouvrir le score sur la première action lavalloise. 1-0 pour Laval. Séné qui ouvre le score. Les joueurs de Tours sont abasourdis et espèrent essayer de revenir. Ça va être très dur parce que je pense que Laval va du coup fermer derrière. Et Laval a fermé derrière. Mais Tours qui va essayer de revenir dans le match. Première action et les Lavallois mènent un but à zéro. 72e minute de jeu, nouvelle action, la tête et ça passe à côté. Encore une action qui ne donne pas un but pour les joueurs tourangeaux. Ils vont s'en vouloir. Les joueurs de Tours, si jamais il y a défaite, ils vont s'en vouloir. Toutes ces occasions ratées. 76e minute de jeu. Da Fonseca. Polinkov, le centre. Le retourné de Crimo. Et ça passe à côté. Il n'y aura plus d'action jusqu'à la fin de ce match. Victoire lavalloise contre toute attente alors que Tours a dominé tout le match. Les joueurs de Tours ne comprennent pas ce match. Victoire de Laval, un but à zéro face à Tours. Laval solide, même s'ils ont été transparents tout le match. Tours qui perd son premier match. Le dernier match de ce résumé, le Stade Brestois affronte le Lille OSC au Stade Francis Leblé. La composition de Brest avec Charles Ezri, Rico Steck, Le Margueres, Muselin, Pardo, Henri, Maroc, Wallace et Bucher en pointe. Du côté de Lille, c'est Moté, Robin, Kourechi, Primorac, Garcia, Thomas, Péan, Savic, Bureau et les frères Plonk sur les côtés. La première action est lilloise. Savic qui va servir Plonk, la frappe stoppée par le gardien. 44e minute de jeu, action pour les Brestois. Maroc qui va centrer, le retourner acrobatique et arrêté par Motet.
C'est là-dessus que cette première période se termine. Brest et Lille sont dos à dos à la mi-temps. Aucune des deux équipes n'a dominé l'autre. C'est vraiment un match très très serré à la mi-temps entre ces deux équipes. 56e minute de jeu. Primorac qui va pouvoir centrer. Non, c'est bien joué le 1-2. Erreur défensive car Vouillage à l'ouverture du score lilloise. Le but de Bureau après un cafouillage des deux équipes dans la défense brestoise. C'était un cafouillage énorme. Les Brestois sont dégoûtés de se prendre un but comme ça. Bureau et on voit un lent penser tout ce qui est centré. C'est joué en 1-2. Le centre dévié par la défense. Planck qui arrive à récupérer la balle, à contrôler, à reprendre. Interception dans la surface de Bureau qui contrôle de la poitrine et qui frappe directement. 62e minute de jeu. Corner pour les Brestois. La reprise, la tête stoppée par le gardien. La frappe de Pardo dans les bras de Moté. Et 76e minute de jeu. Savic pour Bureau. Bureau qui a la balle du 2-0 mais ça passe à côté. Lille va s'imposer un putain 0 sur ce match. Ils n'arriveront pas à revenir, les joueurs brestois, malheureusement. Et Bureau pourtant avait la balle du 2-0 pour mettre tranquillement Lillois à l'abri. Victoire de Lille, 1-0. Le stade Francis Leblay est abasourdi. Victoire de Lille, 1-0. Et voilà tous les résultats de cette première journée du championnat de France de Division 1. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le match que vous avez préféré. C'était Rémi Meria pour vous servir. Peace!